Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous pouvez voir pour l'occasion, j'ai décidé d'aller faire une petite rando, une petite balade dans des conditions un peu plus fraîches que d'habitude. J'ai été me perdre dans la montagne et j'en profite tout simplement pour tester mon matériel. Parce que le matériel que je porte sur moi, c'est des choses que j'avais achetées fin de l'été, début automne. Mais je ne les avais pas encore testées en conditions hivernales fraîches. À commencer par exemple par ces gants. Ces gants qui sont censés être imperméables et tenir la chaleur. Là, j'ai fait un nouveau système de godasses. C'est-à-dire, plutôt que de prendre la chaussure très connue qui est la snow boots, chaussure de neige, un genre de botte fourrée, vous voyez. J'ai, on va dire, fabriqué ma propre chaussure de ski. En fait, j'ai pris une chaussure imperméable de rando, c'est celle que je porte tout le temps. Donc celle-là, elle est imperméable et elle résiste à la chaleur et surtout elle est très légère et très confortable. J'ai mis deux paires de chaussettes, dont une en laine épaisse, une guêtre, un pantalon de pluie et un caouet. Officiellement, je ne suis pas habillé, ce qu'on pourrait appeler des plus chaudement. Dessous le caouet, là, j'ai mon fameux polaire que vous voyez dans toutes mes vidéos. Je ne suis pas habillé de la manière la plus chaude. Mais c'était surtout moi plus le côté imperméabilité que je voulais tester. Le côté, voilà, tu te roules dans la neige comme un gros bébé. Toi, je voulais ramasser, voilà. J'avais envie, ça fait longtemps que j'avais pas vu de la neige et je suis juste un gros bébé. Donc aujourd'hui, on est en conditions réelles. Il faut que je teste mon matériel. Putain, je suis vraiment un gros bébé qui joue dans la neige, mais est-ce qu'il y a une chose plus belle que la neige? Non. Trop bon. Donc pour l'instant, les gants sont plutôt cool. Mais en fait, les amis, je suis pas simplement venu là jouer dans la neige ou tester mon matériel. Ça, on va dire, je fais une pierre deux coups. En fait, j'en profite parce que j'avais envie de me balader. J'adore ce genre de paysage. La neige, dans les arbres, en montagne, je trouve ça trop beau, j'ai toujours aimé la neige, c'est associé à plein de souvenirs d'enfance, enfin bref. C'est aussi pour vous remercier, tout simplement. Pour remercier les amis parce que depuis peu, nous sommes plus de 50 000 abonnés sur cette chaîne. Et voilà, je voulais vous remercier. J'espère que vous apprécierez le contenu que je propose. Et je voulais me présenter, en profiter pour me présenter à tous les nouveaux et nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc là, en termes d'altitude, je suis à 1500 mètres d'altitude. Je suis pas très loin de chez moi, de mon bunker sauvage, mais chez moi j'ai pas autant de neige. Donc j'ai quand même dû prendre la voiture pour venir ici, mais j'en crevais d'envie. J'avais envie de voir ce genre d'ambiance, vous voyez ce que je veux dire? Le temps gelé, le temps mis en pause, et aussi le nettoyage de la planète. Il y a un côté, tu vois, ça nettoie, ça purifie, puis il y a un silence. Il y a un silence ici. J'ai toujours apprécié le silence et le calme de ce genre de forêt et de montagne enneigée. Vraiment, je suis content de partager tout ça avec vous. Et puis c'est aussi pour toutes les personnes qui peuvent, hélas, le bruit que ça fait. Pour toutes les personnes qui peuvent, hélas, pas aller au ski, à la montagne, à cause de toutes ces restrictions, à cause du Covid et tout ça. Donc voilà, c'est un peu pour vous partager de la poudre blanche. Il y a quelque chose aussi qui me fait plaisir en étant ici, c'est que là, un peu plus bas de la montagne, il y a des pistes de ski. Et comme vous le savez, en ce moment, à cause du corona, du Covid et de Macron, les télésièges sont fermés. On ne sait pas pourquoi. La piste de ski est ouverte, mais les remontes pentes sont fermées. Ce qui est absolument ridicule parce qu'en bas, tu peux quand même louer du matos. Tu peux louer des luges, des skis, des patins, ce que tu veux en fait, des snow. Mais tu n'as juste pas les remontes pentes accessibles. C'est une logique nulle à chier. Mais ce que je voulais dire, et c'est ça qui me fait super plaisir, c'est que je pensais être tout seul en fait, en arrivant à la montagne, je me suis dit je vais pas voir grand monde.
En fait, il y a énormément de gens. Et ça me fait plaisir de voir que les gens ont quand même toujours ce plaisir, malgré le confinement, malgré tout ça, de sortir en famille. Donc tu vois des pères, des mères avec leurs gosses faire de la luge, faire du ski aussi. Il y en a, ils portent les skis sur les épaules, ils remontent, ils descendent. Mais en fait, c'est surtout la luge qui m'a marqué. D'habitude, quand je venais, ben, la plupart des gens font du ski et t'avais 2-3 familles qui faisaient un peu de luge. Là, t'as juste la France entière qui est en train de faire de la luge. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que tu dis, putain, c'est un esprit tellement convivial en fait. Les gens, si vous voulez, ils ont tous fait une énorme bosse en mettant de la neige. Et en fait, ils descendent un par un, il n'y a personne qui porte le masque. Ça fait plaisir en fait. Tu dis, ah, enfin, je pensais que le monde était incroyablement débile. Et non, ça fait plaisir de voir des gens qui sont juste là pour venir passer un bon moment en famille et ils sont. Il y a tout âge, quoi, des vieux, des moins vieux, des jeunes, des petits. Malgré le confinement, ils arrivent quand même à se changer les esprits et ils ont raison. Et je vous invite vraiment à faire pareil. C'est pas parce qu'il y a un télésiège qui est fermé qu'il faut rester enfermé chez vous. Il y a plein d'autres solutions de sortir et de s'amuser. C'est magnifique, regardez ce que ça a fait là. Ça a gelé la chaîne. Je suis en train de faire de l'urbex. Tu te prends ça sur la tête, ça. Il est beau lui. Oh, il est beau lui. J'ai trouvé un sabre laser. Il y a le froid qui a littéralement bousillé la batterie de mon téléphone. Donc là, j'ai déjà dû sortir la batterie externe pour recharger. Ça fait partie des nombreuses choses que je trimballe tout le temps avec moi dans mon EDC, les objets à avoir toujours sur soi, les objets du quotidien. Je vous ai jamais vraiment fait une vidéo sur le sac que je porte en permanence. Je le ferai à l'occasion parce que c'est un sac qui peut servir à toute situation qui fasse extrêmement chaud. Ou extrêmement froid, je suis en train de m'enfoncer dans la neige, c'est beaucoup trop bien. Donc comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint cette chaîne Bunker Sauvage, nos nouveaux abonnés. Donc moi je m'appelle Céleste Grant, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2021 et j'ai 32 ans. Et voilà, je suis un enfant qui a grandi à la campagne, dans la montagne, j'ai toujours, je me définis comme une sorte de chasseur-cueilleur, un homme des bois plus exactement. J'ai toujours grandi avec la nature. Et puis, depuis un an, j'ai décidé d'en faire le thème principal de ma chaîne YouTube. La rando, le sport, la survie, la nature, et tout ça en philosophant avec vous. Voilà, c'est un peu ça le concept de ma chaîne YouTube. C'est un peu comme la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je marche et je partage avec vous mes idées. C'est des vlogs, hein, c'est ce qu'on appelle des vlogs. Par exemple, actuellement, sur cette chaîne, Bunker Sauvage, vous pouvez trouver une playlist qui s'appelle Les Randos. Et en gros, j'ai passé 40 jours à randonner, à faire du bivouac sur le fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le GR65. Je compte aller jusqu'au bout, je l'ai pas fini, je reprendrai là, j'ai dû m'arrêter fin septembre, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais. Et du coup, je compte y retourner pour aller terminer ce pèlerinage. Et il y aura d'autres chemins
Et à chaque fois, je partage avec vous mes expériences et surtout mes pensées. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais en fait, t'es pas une chaîne de survie, de survivalisme ?» Non, je suis une chaîne un peu de... Je serais plus proche du scoutisme, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une chaîne où un peu on touche à tout, on se débrouille, je vous montre un peu les systèmes D, comment se démerder. Je suis pas le survivaliste demeuré qui fait des gros stocks et qui s'arme avec des mitraillettes. Mais il y a un peu de ça quand même, mais c'est pas mon unique ligne de conduite. Moi, on va dire que dans mes vidéos, il y a une notion beaucoup plus nature, il y a une philosophie un peu spirituelle aussi. Et philo, ouais, c'est ça, j'ai tendance à dire philo pour dire que je parle avec vous de divers sujets de société, sujets d'actualité ou n'importe quoi, même des sujets de réflexion, des pistes de réflexion, des trucs sociétales, des trucs comportementaux aussi. Je parle souvent des relations hommes-femmes. Enfin bref, j'associe en fait l'environnement, ce qui se passe à l'extérieur de nous, avec notre intérieur. J'essaye de faire des ponts entre la nature et nous, et je montre que finalement, c'est pas deux choses à séparer. Il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre la nature, il n'y a pas d'un côté l'intérieur et de l'autre l'extérieur. J'essaye de montrer qu'en fait tout est lié, et qu'en fonction de notre état d'esprit, eh ben, on va pouvoir modifier la nature, et tout comme l'inverse, la nature peut nous modifier à l'intérieur. Quand je veux dire modifier, je parle de plein de choses, spirituellement, mentalement, physiquement, enfin il peut se passer plein de trucs. Et du coup, ben, des fois, ça donne des vidéos comme aujourd'hui, où j'ai pas un sujet précis, mais j'ai juste envie de partager avec vous une balade que je trouve juste très belle. Donc après, tant que je suis dans les présentations, j'en profite aussi pour dire que j'ai d'autres chaînes YouTube. Voilà, il y a celle-là où Bunker Sauvage, donc que je viens d'essayer de définir. Et j'en ai trois autres chaînes YouTube. Donc il y en a une qui s'appelle Céleste Grant. C'est moi, c'est mon nom et mon prénom. C'est une chaîne sur laquelle je fais des films, des courts-métrages, des sketchs, de la fiction, des web-séries. Parce que j'ai toujours aimé la vidéo, l'audiovisuel et quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être réalisateur de films. Trouvez cette chaîne dans la description. Mon autre chaîne YouTube, c'est Oxo. Oxo Music, c'est une chaîne sur laquelle je fais de la composition musicale, je fais de la musique électro avec des vieilles machines, un peu vintage, un peu rétro, old school. Trouvez le lien dans la description. Sachez également que mes morceaux sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer et etc. Donc ajoutez-les à vos playlists, c'est un bon moyen de soutenir. Et la dernière chaîne YouTube, c'est Evidence, Urbex Paranormal. Je vais visiter des lieux abandonnés qui ont une histoire chargée et je fais des reportages sur le thème du paranormal. Voilà, si vous aimez les urbex et les ambiances un peu frissonnantes, je vous invite à aller voir Evidence. Pareil, toutes ces chaînes sont en description. Allez voir tout ça. Et bien sûr, je n'ai pas oublié le petit panier, un osier avec le petit pâté et la tranche de pain. Parce qu'on va se faire plaisir. On est bien là au soleil. Pour vous remercier, j'ai écrit 50 000 avec mon pipi. Merci à vous les gars et les meufs. Voilà, c'est ma manière de vous dire merci de vous être abonné. Trop beau. Il y a une ambiance là, entre le coucher de soleil, la neige, le calme, le silence. Je sais pas du tout ce que donnera cette vidéo, si elle rendra bien, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. La vie est faite de bonheur simple. Et il faut retrouver son âme d'enfance. Il faut vraiment s'extasier de ça, de la neige. Quand tu viens à la neige et que t'es juste content de faire des boules de neige et de ramper dans la poudreuse, c'est juste ça en fait. C'est ces petits moments qu'on s'accorde, ces moments où on n'est plus là à réfléchir à notre travail, à ce qu'on doit faire, aux problèmes. Ces moments où juste tu t'amuses dans l'instant présent, ça vous recharge les batteries, un truc de malade. Et ça, j'ai pas arrêté de le dire dans mes vidéos du chemin de Saint-Jacques.
où je vous dis sortez, on n'est pas fait pour rester chez nous enfermés, il faut qu'on se bouge parce qu'on se sent vivant. Et là je le confirme, encore plus avec ce froid qui réveille, qui fouette le sang, ça stimule. Tiens, je vous donne un exemple. Cette nuit j'ai pas très bien dormi, j'ai dû dormir 4h30, 5h à peine. Et en temps normal, quand je dors peu, le lendemain matin je suis éclaté, je suis fatigué, j'ai envie de rien, j'ai plus aucune force, plus aucune énergie. J'ai hésité à venir aujourd'hui, je me suis dit, oh flemme, je suis fatigué, j'attendrai d'avoir une meilleure énergie. Et en fait non, c'était la meilleure idée de venir. Parce qu'en venant, ça m'a vivifié, ça m'a réveillé, ça m'a stimulé. Et là je me sens excité quoi, je me sens vivant. Et sur le chemin de Saint-Jacques, ça me faisait ça. Malgré le fait qu'on marche tous les jours de 7h du mat, 7-8h du mat, jusqu'à des 20h, 21h, on pourrait s'attendre à ce que... Ah, je suis tombé dans un trou. On pourrait s'attendre à ce qu'on soit crevé. On se dise, mais au bout de 2 jours, je vais pas tenir. Au bout de 2 jours, je serai en PLS. Non, alors oui, il y a un petit temps d'adaptation. Oula, je glisse. Il y a un petit temps d'adaptation. Le corps doit en effet, à un moment donné, prendre un certain rythme. Parce qu'en plus, vous êtes en mouvement toute la journée. Puis il y a aussi votre alimentation qui change. Enfin bref, dès l'instant que vous sortez du quotidien, il y a 2-3 jours d'adaptation, allez, 4 grand max. Mais une fois que la machine est lancée, c'est incroyable l'énergie que ça apporte. On se sent vivant. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas toujours attendre de trouver la motivation pour faire les choses. Des fois, c'est justement en faisant les choses qu'on trouve la motivation. Des fois, il faut un peu se forcer, même si on n'a pas envie, même si on est fatigué, même si on n'est pas en forme, il faut se forcer. Puis je sens moi ce contact avec la nature, la fraîcheur, ça fait du bien, surtout en ces périodes anxiogènes là, de confinement et de couvre-feu, ce genre de truc. J'en profite que je fasse cette vidéo dans la montagne par grand froid pour vous donner quelques astuces quand même. Quand vous partez en randonnée, même une heure, même 5 minutes, j'ai envie de dire, quand vous partez en balade, toujours, je suis perdu, toujours les amis, prendre 1 litre d'eau par personne. Voilà, si vous êtes 2, vous prenez 2 litres. Ça, c'est le minimum. Prendre 1 litre d'eau par personne. Mais le truc qu'on pense souvent quand on se perd, c'est boire ou manger. Mais en fait, ça, c'est pas le plus important parce que boire et manger, vous pourrez toujours tenir plusieurs jours. Quelque chose qui est très important en montagne, c'est la chaleur, la régulation corporelle, la température. Ça, c'est vraiment important. Donc en fait, moi, par exemple, dans mon sac, là, j'ai toujours des couches de vêtements en plus. J'ai, par exemple, un collant, j'ai un pantalon, j'ai un polaire, j'ai des gants, j'ai une paire de chaussettes, j'ai un bonnet encore. J'irais même jusqu'à dire que ça, si vous savez pas faire du feu en pleine nature, ça vous sera la vie d'avoir ne serait-ce que chaud. C'est vraiment la chaleur qui va vous tenir en vie, tout simplement. Bon, je pense que je vais arrêter ici. La nuit va pas tarder à tomber. J'en profite également, tant que j'ai votre attention, pour vous rappeler que j'ai une page Tipeee. Tipeee, c'est un site sur lequel on peut soutenir des créateurs en leur faisant un don mensuel, par exemple. Alors, ça peut être n'importe quoi la somme. Hein. Donc, je vous mets mon Tipeee en description si vous voulez soutenir, m'encourager et rejoindre la communauté des tipeurs. Et puis, moi, ça me permet de voir derrière qu'il y a un soutien et ça motive à faire du contenu de meilleure qualité. Donc, merci à tous les tipeurs et tipeuses et à tous ceux et toutes celles qui auront la curiosité d'aller voir le reste de mon contenu sur mes différentes chaînes YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Céleste Grant. Je vous laisse ici, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao !